Donc cette fois-ci, on va tester Zombie Pizza. C'est une histoire de pizza avec des zombies. Ou une pizza aux zombies. Ouais, je sais plus trop. Un truc comme ça. Non, plus sérieusement, si... Hop, j'ai switché hors du truc. On est donc censé gérer une pizzeria dans un monde envahi par des zombies. Donc on doit réussir à aller livrer des pizzas avec des zombies autour de nous, manifestement. Voilà. Donc ça sort le 3 novembre, ce truc. Et donc, bah, on va le tester aujourd'hui, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Verdict, incessamment sous peu. Hein. Drive. Ah oui, alors attendez. Va falloir qu'on change le clavier, je pense. Non. Non, ça suffit pas. Alors. Ok, si, il faut que je change mon clavier. Parce que je vois que les roues ne bougent pas. Ouais, enfin, ceci dit, elles bougent pas plus, là. Attendez. C'est quoi ce bordel? Ah, déjà, on se heurte aux commandes. Alors. Setting key. D'accord. Bah, du coup, je suis en train de rebinder les touches. Hein. C'est pas très grave. Voilà. Hein. Ok. Oh putain, c'est un veau, mon véhicule. Oh là là, on m'apprend à conduire, je me croirais à l'auto-école. Oh sa mère. C'est un zombie, ça? Je sais pas ce que c'était. On l'a heurté, ça, c'est sûr. Voilà. Cassez-vous, les zombies. Ah, on peut drifter, en plus. D'accord, ok. D'accord. Oh, ça sent le grand jeu, ça. Hein. Je pense que vous avez compris que ça sentait le grand jeu. Hein. Bon, je suis censé livrer une pizza, je sais pas où. Là, on m'a directement mis dans la nature. Il y a de la lumière, d'accord. Il y a un temps qui éclate axe. Je sais pas où je suis censé livrer ma pizza, par contre. Il y a une carte ou quelque chose? Attendez. Ah, il y a une carte! Je suis où? Putain, alors la pizza, c'est moi, j'imagine? J'imagine. J'imagine que ça doit être moi, la pizza. Je sais pas où je suis censé aller. Bref, on va se balader, de toute façon, déjà. Ah! Ah! Personne a le droit de partir de la ville, d'accord. Oh oui, elle est assaisonnée aux zombies, Ims, la pizza. Ah d'accord, le soldat a l'air très sympathique. Ah, un an plus tard. Ah oui, donc là, c'est l'introduction. D'accord. Dans 30 jours, la ville sera rasée par une bombe nucléaire. Ah bah, ça commence bien, dites donc. On a de la chance. Il voulait s'enfuir avec un vaisseau spatial. Ah ouais, effectivement. Il a besoin de matos. Donc on va vendre des pizzas. Ok. Pardon. Faut que je fasse une marche arrière déjà. Order. Oh putain, faut que je fasse des pizzas en plus. Il veut un garlic, un pepperoni et un shrimp. Okay. Ah merde. Ouais bah excusez-moi, je savais pas qu'il fallait que je clique sur le bordel, hein. Casse-couille, je savais pas qu'il fallait cuisiner en plus, hein. Ah, et donc bien sûr, pour m'indiquer par où aller, j'ai des parts de pizza et des zombies qui m'attaquent. Ok, bon bah pourquoi pas, hein. C'est un jeu, dirons-nous, hein. Après, est-ce que c'est un jeu qui est bien Bah, je sais pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Livrer des pizzas dans un monde post-apocalyptique. Ah, ma voiture a été attaquée, je crois. Mais bon, on a livré la pizza. Oh la vache! Ah oui! Ah, ils peuvent s'accrocher à la bagnole, les zombies. D'accord, donc il faut drifter pour s'en débarrasser. Ok, ok, d'accord. Bon, c'est ok, d'accord. Ah, c'est... Ouais, ça sent le grand jeu, ça.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sens la pépite là. Enfin pas. Non, je sens pas la pépite là du tout. Ouais, c'est à peu près ça, Ims. Non, non, de toute façon, en intro, j'ai annoncé qu'il y avait des jeux avec des zombies. Hein, donc c'est pas... voilà. Sand Exploration. C'est quoi, Exploration? Ah, on n'a pas de commande. D'accord. Donc ça me coûte 500 pour que ça me ramène des... D'accord, bon, va chercher les ingrédients. Next day. D'accord. Alors, j'ai pas 3000 en thunes. Bah là, je peux pas faire, donc... skipper, du coup. Ok, donc l'hôtel m'a ramené des trucs. Alors, 3 oignons. J'en ai 11. Et 3 shrimp. J'en ai 10, donc ça passe. Et l'autre, il vaut 6 oregano. Ok. Bon, on va accepter. Perfect. Je suis trop fort. Ok, donc bah du coup, on va livrer la pizza. Oh, le chat! Miaou! Merde, on l'a raté. Ah, et en plus, il y a un timer pour livrer cette saloperie. Par contre, je suis censé aller par où? Là, j'ai pas... Ah si, j'ai un indicateur, pardon. Ouh! Ouais. J'aurais peut-être dû simplement esquiver, là, hein, plutôt que d'essayer de sauter, je crois. Ok, bon. Bon, on livre des pizzas, quoi. C'est... Voilà. Alors, jusqu'à présent, on n'avait jamais fait de jeu de livraison de pizza. Donc, c'est vrai que... ça change de ce qu'on voit d'habitude sur la chaîne. Hein. Ouais, alors, par contre, les zombies qui s'accrochent à ma voiture... faut se calmer, hein, les gars, là. Hein. Oh la vache! Bah en fait, ce que je trouve pas cohérent, entre guillemets, pour l'instant, c'est que le zombie ne meurt pas quand je lui rentre dedans, justement. Je sais pas pourquoi l'arbre est tombé. J'ai fait peur à l'arbre, faut croire. J'ai pas l'impression que les zombies meurent, en fait. Et puis j'aurais aimé voir du zombie éclataxe, quoi. Ah si, non, le zombie se relève, effectivement. Ça, c'est un peu abuse. On peut passer à travers champ? On peut passer à travers champ. Ok, alors, je pense qu'on a le temps d'aller faire une deuxième livraison, du coup. Ah ouais, on a le temps d'aller faire. Donc, 6 oregano. Perfect. La classe, bien sûr. On est trop fort dans la cuisson des pizzas. Bon, peut-être qu'après le véhicule sera équipé avec une arme, hein, il me semble. Sait-on jamais, hein. Ah oui, d'accord. Ok, ils arrivent tous à la nage en plus. On peut passer là, on peut passer là. Vous avez vu cette magnifique technique de drift, hein, que j'applique. Non, et puis ce qui est pas logique, c'est que le zombie qui se prend un cul de voiture dans la tête, il survit, quoi. Bah, je suis désolé, le zombie il se prend un cul de voiture dans la tête, il claque, hein. Non, mais en plus, vous avez vu la meute, là? Non, mais sérieux. Comment ils font pour être aussi nombreux, les zombies? Ils se nourrissent de pizza aussi, vous pensez, ou pas? Est-ce qu'un zombie mange de la pizza? D'abord. C'est une vraie question. Ah, d'accord. Oh putain, oh putain. Oh là là, oh là 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 là. Oh la catastrophe. Bah, je pensais que c'était un cadeau, en fait, le truc.
Et au final, c'était pas un cadeau. Ça m'a ramené là où j'étais, donc c'est un peu dommage. Sachant que je voulais partir. Alors depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher désespérément la vie de ma voiture. Mais j'ai pas l'impression que j'ai une notion de vie sur le véhicule. Bon après il y a des zombies donc le jeu ne peut pas être mauvais. Bah bien sûr que si, il peut être mauvais. Hein. Mais bon après je vais pas dire qu'il est mauvais pour l'instant. Pour l'instant je vais dire que c'est spécial. Voilà. C'est un peu comme les enfants, hein, vous savez, quand ils sont absolument dégueulasses, machin. On dit jamais que le gosse il est pas beau ou qu'il est mauvais, c'est juste ah il est un peu particulier. Voilà, c'est... Ah, on a d'autres bagnoles en plus. D'accord. Ah ouais, par contre, j'ai que le choix entre ces deux-là pour l'instant. Ok, d'accord. Exploration. Bah, va en exploration, toi. D'accord. Next day. Alors, ça, on peut développer, du coup. Alors par contre, il faudra juste qu'on m'explique pourquoi ça lui est venu l'idée de faire un vaisseau spatial pour partir dans l'espace. C'est pas très clair, on va dire. Alors, 2 olives, 2 pepperoni et 1 oregano. Une pizza pour les enfants, mais balèque, les enfants. D'accord. Une pizza pour les enfants, je peux pas faire ça, moi j'ai rien pour faire ça, moi si, ça, peut-être. Ah, d'accord, on peut faire des upgrades de ce type là. Là, je peux pas upgrade. D'accord. D'accord, donc là, on peut effectivement faire pas mal de petits trucs. On va upgrade. Maintenant, par contre, je peux plus rien faire. Ok. Alors, maintenant, faut faire des pizzas. Alors, 2 garlic et 4 oignons. Perfect. Alors, par contre, je suis un dieu hein, de la cuisson de la pizza. Je tiens à le préciser. Hein. Personne n'égale mon talent. Non, et puis les zombies, c'est vraiment des saleteignes, là, hein, franchement. Alors, le buggy, par contre, ça doit être une conduite beaucoup plus nerveuse, je pense. Je pense, hein. Est-ce que je peux rentrer? Ouais, alors là j'ai complètement raté le saut par contre. Donc là ça va être l'enfer. Eh, par contre, faut vite rentrer en fait pour pouvoir faire d'autres livraisons. Alors attendez, le fast travel. Ah, on peut faire le fast travel. Ok, ça c'est cool par contre. Ah ouais, sauf que le fast travel bouffe du temps quand même. D'accord, ok. Ok, non mais d'accord, on comprend qu'on s'est fait entuber, mais sinon ça va. Un garlic, 3 pepperoni et 1 oregano. Ouais, j'ai vu, il y a un chat, mais on peut pas pêter le chat. Et je lui ai roulé dessus tout à l'heure, mais ça lui a rien fait. Okay. Good. Bon, j'étais pas focus sur la pizza, autant pour moi. Par contre, je suis quand même en train de me poser une question. Comment ils font pour commander les pizzas? Il y a encore internet pour pouvoir commander ou
quoi là? Ah, quand je vois les bâtiments, je suis en train de me dire, oh, ça dans ce Raoudid, ce serait top à visiter. Ah putain. Alors la barricade en bois, je sais pas pourquoi elle réussit à résister à. J'allais dire un tractopelle, non, c'est pas un tractopelle que j'ai, mais. Il y a un cadeau, faut le choper. Ouais, on aura pas le temps de faire la troisième pizza, fait chier. Ouais, j'ai du mal à comprendre comment il y a autant de zombies qui nous. Qui nous coursent. Ça doit être des zombies qui adorent la pizza, je pense. Hein. Je vois que ça comme explication. Je vois vraiment que ça comme explication. Aïe. Hop. Ouais, donc je peux pas faire la troisième pizza, j'imagine. Bah ouais, non. Et donc maintenant, on a droit aux pizzas tier 2. Bah, ça nous coûte 900 pour l'envoyer en exploration. Micheline, là. Allez, vas-y. Pars en exploration. Spaceship, moins 3000. Ok. 6000! Ah ouais. Ah ouais. Ah, faut en livrer de la pizza hein, pour faire autant de. Bref. Jalapeno, paprika et chicken. Ouais. D'accord. Ah, le buggy, en fait, on peut prendre deux pizzas avec nous. C'est là où le buggy est intéressant. Ah. Ah, on peut upgrade le moteur. Et on peut upgrade les défenses. D'accord, ok. Bon, on va faire un upgrade de chaque. Hein. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Donc, par contre, c'est toujours qu'une pizza à la fois, quoi. Ça, c'est chaud. Peut-être essayer celle-là. 4 pepperoni et 2 olives. Ouais, on peut faire en plus. En plus, on l'a perfect en plus. Donc. Allez, go. Ouais, je commence à maîtriser le zombie à dégager quand il est sur moi, donc ça c'est cool. Ouais, c'est un peu abusé les montagnes de zombies, quoi. Franchement. Et surtout, il y a des zombies qui courent quasiment aussi vite que ma bagnole, quoi. Ça. C'est dramatique, quoi. De toute façon, si je rentre avec un zombie sur moi. Ah, il meurt pas, d'accord. Bon, deuxième pizza. On va faire quoi? Une garlic, pepperoni, oignon? Est-ce que j'ai de quoi faire? Ouais, j'ai de quoi faire, a priori. Pepperoni, garlic.
Ah, par contre, après, j'ai plus d'oignons. Oh, bon, c'est pas grave. Bon, bah, c'est la livraison de pizza en monde post-apoc, hein. Effectivement, on n'avait jamais testé ça. J'avoue. Je suis même pas sûr qu'il y ait d'autres jeux qui aient osé faire ça. Après, est-ce que c'est un bien ou un mal qu'ils aient pas osé le faire? Je vais pas vous mentir, je sais pas quoi en penser, mais bon. Bref. En même temps, c'est peut-être le genre de jeu qui devrait pas exister, ça. En fait, ça me rappelle un peu le jeu où on moissonnait des zombies. Ah, celui où on avait une moissonneuse-batteuse, là, machin, et où on passait sur les zombies, je sais plus son nom. Ça me rappelle un peu ça dans le délire du truc, en fait. Et où, effectivement, c'est complètement what the fuck, quoi. Mais bon, après... qui suis-je pour juger du jeu, hein? Je ne suis qu'un humble joueur. Mais ouais, c'est... voilà, quoi. Je sais pas, je suis pas... je suis pas persuadé. En plus, donc là, c'est la démo. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire dans la démo ou pas? Ou est-ce qu'on peut atteindre les 30 jours? Je sais pas. Je sais pas. Et par contre, la pizzeria, on a fermé, il devait être 15h, quoi. Donc en fait, pour l'instant, je peux pas faire plus de 2 livraisons, quoi, dans la journée. Ce qui est un peu triste. Il y a un SOS à aller faire. Ça se passe où, le SOS? Là-bas. Faudrait que je fasse l'entrée de l'autre côté, du bâtiment. Alors ça, graphiquement, c'est absolument effroyable. Ah bah là, on va mourir, là. Ah, je reconnais, là, c'est un décès, là. Non, même pas. On est en train d'essayer de répondre à un SOS, hein. La personne est cachée à l'autre bout de la carte. Voilà, donc ça, par contre, c'est ce que je vous disais, le zombie, on lui rentre dedans, on lui défonce la tête, il se relève, hein. Bah allez, viens, toi. Alors, je crois qu'on a sauvé quelqu'un, peut-être. Je m'en rends pas compte. Ouais, on a sauvé quelqu'un, c'est cool. Alors, je sais pas ce que ça nous apporte de sauver quelqu'un. Wouah! Il y avait du monde là. Ok, alors je sais pas si c'est un event qui est prévu et systématique ou pas, ce sauvetage. Oh là là, la route. Hop, ça dégage. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas fait l'entrée de ce côté-ci. Ouais, il y a du zombie, hein. Franchement. Il y a du zombax qui veut me bouffer le cul, hein. Allez, on est rentré à la maison. Bah ouais, dans une voiture on peut mettre qu'une pizza, bien évidemment, c'est connu, hein. C'est complètement connu, ça, hein. Alors par contre, je suis obligé d'augmenter parce que là je commence à manquer de certains ingrédients, donc ça va être compliqué. D'accord. Bah 6000, bah j'ai toujours pas, hein, désolé, hein. Alors quand on soigne quelqu'un, donc ça nous fait une rentrée d'argent, je suppose.
D'accord, en plus on peut gérer un village en gros quoi. D'accord. D'accord. Il veut un marteau. Ça tombe bien, j'en ai pas. Ah ouais, du coup ça peut nous rapporter de la thune en plus. D'accord. Ok. And open the shop, d'accord. Open shop. D'accord, elle a ramené des trucs, mais pas d'oignons. C'est un peu dommage. Alors, il faut deux pepperoni, deux shrimp et trois oregano. Donc la première, on peut la faire. Go. Perfect! Ouais, je suis trop fort en cuisson de pizza, hein, moi je vous le dis. Je devrais chercher s'il n'y a pas un jeu de pizzeria à gérer, parce que là, à mon avis, je deviens directement un dieu. Alors, le petit reproche que je ferais quand même au jeu, parce qu'on va quand même parler un petit peu du jeu, hein, c'est que là, une petite barricade en bois, je peux pas la défoncer avec ma voiture. Incroyable. Ça, c'est juste what the fuck, un peu, je trouve. En fait, il devrait y avoir des aimants destructibles. Ce serait beaucoup plus trippant. Alors, après, là, effectivement, mur en briques, que je le défonce pas, je peux comprendre. Y'a pas de soucis, je suis pas non plus fou. Mais une petite barricade en bois, pour moi, on devrait pouvoir la défoncer direct, quoi. Bon, sauf si c'est des rondins de 70 cm de diamètre. Bon, là, effectivement, on peut imaginer que ça peut poser un problème au véhicule. Mais là, pareil, un grillage, on doit pouvoir rouler dessus et l'écraser. Aucune idée de ce que c'est l'étage verte. Je me dis peut-être un zombie spécifique dans lequel je suis rentré et qui du coup vomit. Mais autrement, je sais pas. J'ai pas la réponse. Et j'ai pas vu d'explication passer sur le sujet, donc. Ou alors peut-être un zombie qui crache pour nous faire déraper. Ah, on a débloqué la voiture. Alors est-ce que ça aurait pas le coup de changer de voiture pour aller tester l'autre? On va essayer l'autre voiture un petit peu. Hein. Alors là, il faut 2 olives et 5 shrimp. Et là, il faudra 2 garlic, 4 olives, un bacon. Ah, on peut faire les deux. En vrai, je peux faire les deux. On va essayer de faire les deux. Vu qu'on a changé de voiture. Allez, go. On part faire double livraison. Alors par contre, faut qu'on fasse gaffe parce que cette voiture-ci a beaucoup moins de défense. Ouais, c'est quoi cette bagnole? Oh là là, oh là là, oh là là, oh j'aime pas. Oh j'aime pas cette voiture. J'aime pas. J'aime pas sa conduite. J'aime pas. Je sais pas. Peut-être parce que c'est juste un petit buggy et que je suis pas fan des buggy. Peut-être ça le problème en réalité. Ah, oh, une aiguille, une église. Allez, allons faire la deuxième livraison. N'importe quoi, ce qui s'est passé sous l'eau. C'était littéralement n'importe quoi. Hein. Ouais, alors je pense effectivement que les flaques vertes, c'est un truc qui nous fait déraper. J'ai l'impression. Je me demande si à un moment ou un autre, le dev a prévu d'intégrer un tank pour aller livrer les pizzas. Bah, en vrai.
face aux zombies le temps que je pense que c'est un must-have. Hein. Mais laissez-moi les connards là. Ouais. Compliqué cette bagnole. Hein. Ah ouais, alors là en plus avec la horde que j'ai au fiac, ça va pas être simple. Alors pour les fans de zombies, je vous rassure, on a d'autres jeux de zombies dans les démos que j'ai choisis. Je peux pas vous dire combien, parce que j'ai pas compté, mais il y en a d'autres, hein, normalement. Ok. Alors des fois le drift, ça dégage pas trop les zombies, mais bon. Ok. Ah, et puis le buggy, il se met à déraper comme un con tout seul par moment quand même aussi. Un peu compliqué. Alors il est avantageux en termes de nombre de pizzas, mais le reste... Alors en scooter, j'ai peur que ce soit un petit peu agressif au niveau des zombies. J'ai peur que ce soit compliqué. Mais bon, après... voilà, pourquoi pas. Hein. Ah oui, alors attendez. Research, est-ce que je peux faire des trucs? Ça, c'est quoi ça? Il faut 60, j'ai 145. C'est quoi ça? Watchtower. Ah, ouvrir l'autre porte. Alors, ça, on prend par contre. Ça c'est quoi? Gagner plus d'argent. Ouais, bah, ça m'intéresse, mais j'ai pas... Je peux pas prendre l'upgrade. Toi, on va trouver une exploration, du coup. On peut faire ça. D'accord. Alors, il me reste 25 jours avant la frappe nucléaire. On est à 20% de progression sur le vaisseau. Ok. Ok, 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 ok. On peut pas pète le chat par contre. Hein. Ah oui, ça du coup c'est ma fusée, d'accord, ok. Ok, 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 d'accord. Bah lui, je sais pas où trouver sa pioche, donc on s'en fout un peu. Hein. Open. L'hôtel a ramené des trucs, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui payera plus? Oui, lui. Ah oh, merde, je peux pas lui faire sa pizza, lui. Il me manque quoi? Un paprika. Un jalapeno. Ah, j'ai pas assez de mushroom, fait chier. Bon, bah on va prendre... Ok. Non, mais après le scooter, éventuellement, IMS, ça peut valoir le coup de le soumettre au dev. Hein. Voilà, hein, y a peut-être effectivement un potentiel. Hein. Peut-être. Oh là 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 là. Quand même. Après, je comprends pas l'acharnement de ces zombies contre ma petite entreprise. Hein, franchement, je ne suis qu'un humble, une humble pizzeria et je suis harcelé par tous les zombies du monde qui veulent absolument détruire ma voiture de livraison. Je trouve ça scandaleux, moi. S'en prendre aux petits entrepreneurs comme ça. Ouais, c'est certains zombies qui lâchent de la morve au sol et qui nous fait déraper. Donc il y a bien des choses à trouver par endroit comme ça dans la ville. Bon, ça on s'en doutait un petit peu, hein, ceci dit.
Oh là 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 là. Comment elle dérape cette bagnole? Ah, on est carrément venu au cimetière. Bon bah soit. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, hein, ça peut. Allez, on fait une rampe pour essayer de gagner un peu de temps. Ah, le coup de la rampe, je trouve ça complètement débile. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Mais bon. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour essayer de ramener la deuxième pizza, par contre. 2 minutes. Ouais, je pense que ça devrait le faire, je pense. Ouais, sauf si on se tape toute la morve du monde, quoi. Ah, si je repasse à la maison, ça reset son timer. Ça a reseté le timer, j'ai l'impression. Il y a 2 cadeaux à choper. Ah, on a chopé de poulet par contre. Cool. Et des champignons. Ok, c'est cool. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Encore un paquet de morts sous mes roues. Bah après, Ims, en fait, moi je dis, il devrait carrément avoir quelques cyclistes Uber hein, aussi. Hein. Après tout. Moi ça me paraît très cohérent. Hein. Ouais. Ouais si tu veux. Ouais. Ah d'accord, ok, ça m'a coûté 1000 de thunes cette merde. Bah ouais, vélo, scooter et ainsi de suite. Une progression quoi. Oh, 12 000 en pognon. Ouais, alors par contre, la courbe de pognon a l'air d'être complètement abrutie. Hein. Je vais pas être désagréable, mais ouais. Bon, on va rester là pour la livraison de pizza. On va pas. On a compris le principe. Hein. On livre des pizzas dans un monde envahi de zombies. On tente de construire un vaisseau spatial pour s'enfuir. La cohérence, me demandez pas, mais bon, voilà. Est-ce que c'est bien comme jeu? Je vais dire, je vous laisse juger. Voilà, je vais pas donner mon avis. Enfin, si je peux donner mon avis, clairement, j'irai pas l'acheter ce jeu-là, sauf si on me l'offre, j'y rejouerai pas. Voilà. Hein. Mais autrement, non, il n'y a pas de. C'est non, non, définitivement non. C'est pas un type de jeu sur lequel je vais aller, clairement. Ça sort le 3 novembre pour ceux qui sont intéressés. Si quelqu'un est intéressé, voilà. Moi perso non, mais voilà. Donc bon, c'était une petite démo, Pit Zombie, ou je sais même plus ce que c'est le titre d'ailleurs du truc. Attendez, c'est quoi le titre? Si c'est Pit Zombie, non, c'est ça? Non, Zombie Pizza, pardon. Voilà. Mais bon, voilà, c'est pas une merveille, dirons-nous comme jeu, mais bon, c'est ok tiers comme démo. Bon voilà, c'est pas foufou, mais on va dire que ça passe le temps.